Bonjour, mes chers élèves, bienvenue, surtout les élèves du 6e année. Je vous propose quelques révisions. On va commencer par la première leçon de grammaire, la phrase nominale et la phrase verbale. L'objectif de cette leçon, c'est identifier la phrase nominale et la phrase verbale et aussi les utiliser. Alors, remets correctement ces mots en ordre pour obtenir deux phrases. On a ici Mariam, la mosquée a construit l'Izindalou. Belle mosquée qu'elle. Bon. Tout d'abord, il faut comprendre que la phrase verbale contient un verbe et la phrase nominale ne contient pas un verbe. On dit Mariam a construit la mosquée d'Izindalou. Mariam a construit la mosquée des Indes. C'est une phrase déclarative. Mariam, le verbe c'est a construit la mosquée des Indes. C'est une phrase normalement verbale. Belle mosquée, quelle? On dit quelle belle mosquée. C'est une phrase exclamative. Mais il n'a pas de verbe. C'est une phrase nominale. Alors, pour comprendre cette leçon, il suffit de lire « Je construis la règle », complète avec les mots suivants et nominal qui a un verbe. Une phrase peut être. Une phrase peut être nominale, voilà, nominale ou verbale. Nominale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. Exemple, merci, professeur. Pour cette leçon. Une phrase peut être aussi verbale, c'est une phrase qui a un verbe. Voilà, qui a un verbe. On dit, cette leçon est très intéressante. Merci professeur pour cette leçon, c'est une phrase exclamative, oui. Et cette leçon est très intéressante, c'est une phrase déclarative. Bon, on cherche ici, il n'y a pas de verbe, c'est une phrase nominale. Alors, il y a ici un verbe, c'est une phrase qui est un verbe, c'est une phrase, bien sûr, verbale. Alors, on va faire quelques exercices pour comprendre bien cette leçon. C'est donc la première leçon de grammaire pour 6e année primaire. J'invite tout le monde à bien réviser cette leçon. Voilà. Recopie chaque phrase à la place qui convient dans le tableau. Voici le tableau, voici les phrases verbales, les phrases nominales. Normalement, possible ouverture du festival de Rose à Sfro. C'est une phrase nominale. On va faire bien sûr un échange. Voilà. Possible ouverture du festival de Rose à Sfro. C'est une phrase nominale. Grande victoire de l'équipe marocaine, c'est une phrase nominale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de verbe. Regardons, s'il vous plaît, ici, possible ouverture du festival des roses à Sfro. On ne trouve pas un verbe ici. Grande victoire de l'équipe marocaine, on ne trouve pas un verbe. Alors, ce sont des phrases nominales. Ah, ici. Le festival Gnawa est célébré à Sabela. Et la tour Hassan se trouve à Rabat. C'est une phrase verbale, puisqu'il y a un verbe ici, c'est et. C'est le verbe être. Le festival Gnawa est célébré à Sabela est célébré, c'est le verbe être ici, se trouve. Hein? Ce sont deux verbes. Indique s'il s'agit d'une phrase verbale ou d'une phrase nominale. La Koutoubia se trouve à Marrakech. Connais-tu la ville de Tanger? Agadir est une belle ville côtière. Nous avons visité la musée du Oudéa. Ce sont des phrases verbales. Délicieux ce tagine. Il y a uniquement une seule phrase ici qui est nominale, délicieux ce tagine. C'est une phrase exclamative, mais elle n'a pas de verbe. Alors, c'est une phrase nominale. Vous avez bien compris maintenant. On continue. Transforme ces phrases nominales en phrases verbales, comme dans l'exemple. Voilà le guide de cette excursion. C'est le guide de cette excursion. On va faire un tour. À mon tour maintenant, c'est-à-dire c'est mon tour maintenant. À mon tour maintenant, c'est mon tour maintenant. Quel bon minaret, c'est un bon minaret.
Voyons. C'est la même chose. C'est le guide de cette excursion. C'est une phrase verbale. C'est la même chose que c'est mon tour maintenant. C'est un bon mineur. Alors ici, évaluation, transformant ces phrases nominales en phrases verbales. À moi cette récompense. On a ici deux choix. Soit on dit c'est à moi cette récompense ou cette récompense est à moi. C'est à moi cette récompense ou cette récompense est à moi. Quelle belle tour. On dit elle est belle cette tour. Trop tard, c'est trop tard. Attention, descente dangereuse. C'est une descente dangereuse. Attention. On doit mettre à la fin par exemple. Petite virgule ici. Attention. On peut mettre aussi attention. Attention, c'est une descente dangereuse. D'accord? Et on termine par deuxième exercice d'évaluation. Transforme ces phrases verbales en phrases nominales. C'est-à-dire l'inverse. Ce paysage est très beau. Le guide est arrivé. Cette visite est vraiment intéressante. Ce sont des phrases verbales. Et des phrases nominales, par exemple, quel très beau paysage. Il n'y a pas de verbe. L'arrivée du guide. Et vraiment, cette visite intéressante. C'est pas intéressante, mais intéressante. Vraiment, cette visite intéressante. Vous avez compris. Et voilà. Alors, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo est très utile pour vous. Vous pouvez réviser, s'il vous plaît, cette leçon de la phrase nominale et la phrase verbale sur mes apprentissages en français de 6e année primaire. Alors, à la prochaine vidéo.